Bonjour tout le monde. Je voulais savoir si vous aviez déjà mesuré votre vie sur un mètre. Non? Alors, je vous explique tout ça. Donc là, je vous ai mis 80 cm. 80 cm, ça pourrait correspondre à une vie. 80 années. C'est une moyenne. J'espère que vous aurez plus et que tout se passera bien dans cette période-là. Donc effectivement, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, c'est pas pareil. Moi, là, je suis là, je suis à 47. Ben, on voit bien qu'il y a moins là que là. Donc, ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce mètre, c'était que vous preniez conscience du temps. Du temps, il est indéterminé, on ne peut pas savoir quand ça va s'arrêter. Si, voilà, être vivant, c'est aussi mourir et ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Maintenant, je ne suis pas là pour vous miner le moral. Juste, j'aurais voulu que vous preniez conscience des choses que vous aimeriez faire. Les gens avec qui vous êtes, les activités, le travail, il y a des choses, on est obligé. Je veux dire, le travail, il y a des fois, ben, on fait un travail alimentaire ou pas, on fait un travail qui nous plaît ou pas, mais il y a des fois, on est obligé. Par contre, nos connaissances, ce qu'on partage, ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des choses pour nous, est-ce qu'on fait des choses pour les autres? Le temps est sacré, il est précieux. Et je voulais donc partager ça avec vous pour optimiser votre temps. Moi, si je fais un tracker de temps aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie de le gâcher à faire je sais pas quoi. J'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de faire du partage, j'ai envie de faire des dessins, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire du scrap. J'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter, j'ai envie de profiter de la vie. Demain, je ne sais pas où je serai. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait tout pour profiter de la vie. Et c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Vous preniez conscience de ça. Le temps est précieux. Le temps que vous consacrez aux gens est précieux. Et ne le gâchez pas avec des mauvaises personnes. Faites les choses pour vous rendre heureux, pour rendre les gens heureux, enfin les gens que vous aimez, pour les rendre heureux également. Partagez votre temps de la meilleure manière possible. Pour vous apporter beaucoup de choses et tout le monde mérite ça. Pourquoi les gens se priveraient de vous, vu que vous avez de la valeur, vous êtes important. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous êtes important. Prenez-en conscience. C'est très important de savoir qu'on a une valeur aujourd'hui. Pas mes mots parce que je trouve ça hyper important, mais gâchez pas le temps avec des gens qui ne comprennent pas qui vous êtes et quelle valeur vous avez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Salut, salut!